Je suis Marie-Claude et de la part du Centre de santé communautaire, je vous souhaite la bienvenue à cette session de S'amuser en s'entraînant de la maison. Aujourd'hui, on va travailler sur notre équilibre et notre flexibilité. On va commencer avec des exercices d'équilibre dynamique qui vont agir un peu comme un réchauffement. Ensuite, on va faire des exercices d'équilibre statique, donc où on bouge très peu. Et ensuite, on va finir avec des exercices d'étirement. La seule chose qu'on va avoir besoin aujourd'hui, c'est d'une chaise et d'un soulier avec une semelle plate antidérapante. Donc, si vous n'avez pas votre chaise, allez la chercher. Vous pouvez aussi prendre des pauses à travers la session d'entraînement. Et si vous avez soif, prenez de l'eau quand vous l'avez besoin. Donc, on va commencer avec les pieds à peu près à la largeur des épaules, avec les orteils qui font face directement à l'avant. On est à côté de notre chaise. Notre chaise va pas s'en aller tout seul, elle va être là si on l'a besoin, mais on veut le plus que possible, si on est capable, en sécurité, de ne pas être sur la chaise, si possible. Donc, mains sur les hanches, on va commencer en tapant les orteils d'un pied à la fois. On lève les orteils d'un pied, on les replace par terre et l'autre pied, et on continue en alternant. Donc, on veut essayer de lever les orteils le plus qu'on peut. Et le reste du corps va bouger très peu. Donc, c'est vraiment juste les pieds qui bougent. C'est un exercice ici qui aide à travailler l'endurance dans le muscle en avant du tibia. C'est très important de continuer à travailler ce muscle-là parce que c'est ce muscle-là qui nous aide à lever nos orteils quand on marche pour éviter de trébucher sur notre propre pied. On va continuer. Un peu plus. Et les deux pieds par terre. Prochain exercice, on va aussi travailler l'équilibre et ça va aider à travailler, à réchauffer les chevilles un peu. Donc, on va lever sur la pointe des orteils et on va marcher sur nos orteils. On marche sur place. Si c'est très inconfortable pour vous de marcher sur vos orteils, vous pouvez marcher normalement. Ça ne travaillera pas autant l'équilibre, mais ça va vous aider à vous réchauffer et on peut faire ça à la place. C'est une modification. Sur les orteils, on continue à marcher. Et c'est bon, on arrête. Et on va faire la même chose, mais maintenant sur les talons. Encore une fois, si on ne peut pas marcher sur les talons, si c'est très inconfortable pour vous ou autre, on peut marcher normalement à la place. Donc, on lève les orteils et on marche sur les talons. On n'est pas habitué à marcher sur nos orteils ni sur nos talons, donc ça travaille l'équilibre, la perception est un petit peu différente. Et c'est beau, on descend les orteils, les deux pieds plats par terre. Le prochain exercice, on va lever sur les orteils, ensuite sur les talons. On va aller de un à l'autre. Et le plus proche que vos pieds sont ensemble, le plus difficile que cet exercice va être. Et le plus que les pieds sont séparés, le plus facile que l'exercice va être. Donc, vous pouvez choisir où vous voulez vos pieds. Encore une fois, proche ensemble, plus difficile. Plus écartillé, plus facile. Donc, vous pouvez être à peu près où est-ce que vous vous sentez assez confortable. Mains sur les hanches ou doigts sur la chaise. On lève sur la pointe des orteils et ensuite sur les talons. On essaye le mieux que possible de garder nos fesses à une place. So, la tendance ici est de pousser les fesses un peu vers l'arrière quand on lève sur les talons, mais on veut essayer de les garder à une place. On lève la poitrine. Et pour tous les exercices d'équilibre, ça l'aide beaucoup si on fixe notre regard sur un point qui ne bouge pas. La vision est très importante pour l'équilibre.
et la concentration aussi. Donc, se concentrer sur un point, ça peut beaucoup aider. Un peu plus. Pieds plats par terre et les pieds ensemble. Excellent. Prochain exercice d'équilibre qu'on va faire, c'est qu'on va lever les genoux lentement en alternant un genou à la fois. Et le plus lentement qu'on fait cet exercice, le plus que ça travaille l'équilibre. Donc, on regarde directement en avant, on lève un genou lentement, à peu près à la hauteur de la hanche, et on le replace par terre. Et l'autre côté. Si votre pied a besoin de toucher par terre un peu plus vite, c'est correct. Faites votre possible. Puis la chaise est là si vous l'avez besoin. Donc, encore une fois, le plus lentement qu'on fait cet exercice, le plus que ça travaille l'équilibre. Donc, on va en faire une coupe de plus, ensuite on va ajouter une progression. Donc, si vous préférez rester avec ce mouvement ici, vous pouvez rester ici si vous avez besoin. Ça va s'en venir bientôt, on va changer ça bientôt. OK, ici ça va être le dernier. Donc, on peut continuer de la même façon où on lève le genou, on allonge la jambe, on plie la jambe, et on redescend. Donc, on ajoute un petit coup de pied. Ça rend l'exercice juste un petit peu plus difficile. On est presque rendu, on va en faire un peu plus. Ensuite, on va passer à notre prochain exercice d'équilibre. Un autre de chaque côté. Pieds par terre. OK, on va faire des transferts de poids. On va commencer en avant. Donc, assurez-vous d'avoir un peu de place en avant. Mains sur les hanches. On peut avoir les doigts sur la chaise au besoin. On va prendre un grand pas en avant, transfère notre poids ici à la jambe et on revient à la position initiale et l'autre côté. Transfert de poids. Une fois chaque côté. Et ensemble, on va aller derrière maintenant, en alternant. On va en arrière. Donc, on transfère le poids à la jambe en arrière et à la jambe en avant. Dernière fois ici. Et les pieds ensemble. Pour le prochain, on va aller d'un côté à l'autre. Donc, pour pas que la chaise soit dans notre chemin, on va se mettre debout en arrière de notre chaise. Et on va aller quatre fois d'un côté, ensuite quatre fois de l'autre côté. On va commencer de ce côté-ci, par côté, et on revient. Encore. Deux autres de ce côté-là. Dernière fois. Et l'autre jambe. Pieds ensemble. OK, prochain exercice, on va marcher sur notre corde imaginaire. On veut être à côté de notre chaise pour cet exercice. Un pied à côté de l'autre et on va avancer encore une fois sur
notre corps imaginaire un pied en avant de l'autre. On regarde directement en avant. On va lever les bras au niveau des épaules. On fixe notre regard sur un point qui ne bouge pas en avant et on y va. Quatre fois en avant. Un, deux, trois et quatre. On recule. Quatre, trois, deux, un. On y va encore. Un, deux, trois, quatre et on recule. Quatre, trois, deux, un. Pied un à côté de l'autre, on baisse les bras et on se place à côté de notre chaise. OK, maintenant on va faire nos exercices d'équilibre statique, donc qui veut dire qu'on ne bougera pas nos pieds, mais pour progresser, il y a un certain temps, on va tourner notre tête, qui va affecter la vision, donc qui rend les exercices un peu plus difficiles quand on bouge la tête et les yeux. Et on va aussi ajouter des mouvements avec les bras. Bouger les bras, ça change notre centre de gravité qui peut aussi rendre les exercices un peu plus difficiles. Donc, on commence debout à côté de notre chaise. On va lever sur la pointe de un pied. Vous pouvez rester ici. Vous pouvez toujours garder au moins une grosse orteil par terre. Pour rendre l'exercice un peu plus difficile, on peut lever le pied complètement du sol. On va maintenir la position ici. On reste ici, mains sur les hanches ou à côté. Ou on peut mettre juste le bout des doigts sur la chaise. On se concentre. Et on place le pied par terre. OK, l'autre côté maintenant. On lève sur la pointe du pied. Encore une fois, on peut soit rester ici. Si on se sent déjà un peu instable, on reste là. Si on se sent pas mal confortable ici, on peut lever le pied complètement du sol. N'oubliez pas de continuer à respirer et de continuer à allonger votre colonne. Et le pied par terre. On va retourner à la première jambe. Cette fois, on va tourner la tête pour rendre l'exercice un peu plus difficile. Si vous préférez juste maintenir la position sans bouger la tête, vous pouvez faire ça aussi. Donc, on lève soit sur la pointe du pied, où on lève le pied complètement, main sur les hanches, à côté ou avec les doigts sur la chaise. On tourne la tête d'un côté. On revient au centre. Et on tourne la tête de l'autre côté. On revient au centre. Et pied par terre. L'autre jambe maintenant, sur la pointe du pied. Option de lever le pied, on tourne la tête d'un côté, on revient ensemble et on tourne la tête de l'autre côté. Retournez la tête au centre, les deux pieds plats par terre. OK, dernière fois qu'on fait cet exercice, mais cette fois, on va ajouter des mouvements avec les bras et les pieds. On lève, pas les pieds, juste les bras. Les pieds ne bougeront pas. On lève sur la pointe d'un pied, on lève les bras à côté. Et on va lever les bras vers l'avant. En haut. On redescend en avant de la poitrine. Les bras à côté qui rejoignent d'un mur à l'autre. Et on descend les bras. L'autre pied maintenant. On lève les bras, option de lever la grosse orteille ou de la garder par terre. Les bras viennent en avant, vers le plafond. On redescend au niveau de la poitrine, à côté, et on descend les bras. On va le faire maintenant avec juste un bras à la fois. On retourne au premier pied, on lève les bras à côté, un bras à la fois, en avant, en haut. On redescend le bras au niveau de la poitrine. À côté et l'autre bras. En avant, en haut, on descend et le bras à côté et l'autre jambe, soit sur la pointe du pied, on lève le pied, les bras à côté, un bras à la fois seulement,
En avant, en haut, on descend et à côté, l'autre bras. On redescend les deux bras. Excellent. On va mettre le pied, un pied en avant de l'autre. Alors, on retourne sur notre corde imaginaire, mais cette fois, on n'avancera pas ou on ne reculera pas. On va rester les pieds où ils sont. Si vous trouvez que vous êtes déjà assez un peu instable, vous allez rester ici. Option d'essayer de lever sur la pointe des orteils. Rappelez-vous, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez garder vos talons par terre si vous préférez, si vous vous sentez plus confortable. Là. On redescend les talons. On va tourner la tête si possible d'un côté. On revient au centre. On tourne la tête de l'autre côté. Et on retourne la tête au centre. On décroise la jambe. Et on croise l'autre pied en avant. Ça, on est sur notre corde imaginaire. Encore une fois, on regarde directement en avant. On peut soit rester à la position ici si vous vous sentez déjà un peu instable. Vous allez rester ici. Si vous vous sentez confortable et stable ici pour un peu plus de défi, on se lève sur nos orteils. On plante les talons par terre et option de tourner la tête d'un côté. On revient au centre avec la tête et on tourne la tête de l'autre côté. On revient au centre, pied un à côté de l'autre. Et on va passer à nos étirements pour travailler notre flexibilité. Donc, on va se mettre à côté de notre chaise, pas grave quel côté, on va faire les deux côtés. Une main sur le dossier, la jambe qui est la plus loin de la chaise, on va prendre un grand pas en arrière. Talons par terre, les pieds sont séparés un peu de l'un et l'autre. Donc, pas proches ensemble, sont séparés un peu et on va directement vers l'arrière. Le genou de la jambe qui est en avant est directement par-dessus la cheville. Donc, si on regarderait, on serait capable de voir le bout de notre pied ici. Le talon du pied qui est en arrière pousse vers le plancher et on devrait sentir un étirement dans le mollet. Avec tous nos étirements, on veut s'assurer de continuer à bien respirer. Et on maintient les étirements environ 15 à 20 secondes chaque. Et les pieds ensemble. On va prendre notre jambe maintenant qui est la plus proche de la chaise et on va la croiser en avant de l'autre jambe. On pousse la hanche un peu du côté ici pour que ça tire l'extérieur de la cuisse. On peut soit rester ici ou on peut flotter le bras vers le plafond. On descend l'épaule pour qu'il y ait beaucoup d'espace entre l'oreille et l'épaule et on va ouvrir la poitrine un peu en tirant le bras un peu vers l'arrière. Si le bras est levé, on va le redescendre, on décroise la jambe et on va retourner à un étirement pour la jambe qui est la plus loin de la chaise. Donc, un petit pas vers l'avant, pas beaucoup. On lève la pointe, les orteils vers le haut pour qu'on soit sur notre talon. L'autre jambe, la jambe qui est la plus proche de la chaise, on va plier le genou et on pousse les hanches vers l'arrière. Le bassin devrait être égal d'un côté à l'autre. On est penché un peu vers l'avant, mais on allonge la colonne de les hanches jusqu'aux aisselles. On baisse le menton un peu pour que l'arrière du cou soit long. Continuez à respirer. Et on remonte les deux pieds plats par terre et on va aller de l'autre côté de la chaise. Donc, les pieds sont séparés un peu, à peu près à la distance de soit les hanches ou les épaules, et on prend un pas en arrière et on plie la jambe qui est en avant. On étire notre mollet.
Si vous avez besoin, vous pouvez mettre les doigts sur la chaise. Si vous vous sentez très à l'aise, mais peut être sur les hanches ou sur la cuisse de la jambe qui est en avant. Pieds ensemble, un à côté de l'autre. La jambe qui est la plus proche de la chaise va croiser en avant de la jambe qui est la plus loin de la chaise. On pousse la hanche du côté. On a l'option de soit rester aussi ou de lever le bras. L'épaule va vers l'arrière, en levant les doigts vers le plafond. Et on descend le bras. La jambe qui est, et on décroise la jambe. Maintenant, on va étirer l'arrière de la cuisse de l'autre jambe. Donc, un petit pas en avant. On lève les orteils. On est sur notre talon. On plie la jambe qui est la plus proche de la chaise. Et on pousse les hanches un peu vers l'arrière en se penchant vers l'avant. Les deux côtés du bassin sont égales. Et on baisse le menton un peu. Une main sur la chaise ici pour s'assurer d'être stable. Et on remonte les deux pieds plats par terre. On va étirer l'arrière des épaules et le haut du dos. On commence en allongeant la colonne ici. On interlace les doigts ensemble et les bras vont vers l'avant. On descend les bras, on va étirer la poitrine et le devant des épaules, mains sur les hanches, on lève le sternum et les coudes vont aller vers l'arrière. On pince les omoplates un peu en arrière ici, donc vous allez sentir une contraction dans les muscles qui sont entre les omoplates ici. Les coudes vont vers l'arrière et on lève la poitrine. On descend les bras, on va rouler les épaules un peu vers l'arrière. Et on prend une grosse inspiration, on lève les bras. Et on expire, on descend. Deux autres fois, on inspire. Et on expire. Dernière fois. Bien fait tout le monde! Merci de vous être joindre à moi encore une fois pour cette session d'exercice et on va se voir la semaine prochaine pour une autre session de s'amusant en s'entraînant de la maison.